qu'au mois de mai, la grippe a disparu. Et donc, les gens qui vont présenter les symptômes du Covid-19, ce sera les gens qui auront le Covid-19. Donc, ce n'est pas la peine de gâcher les tests sur eux. Par contre, les gens qu'il faut tester, c'est les gens qui sont porteurs de ces fameuses formes asymptomatiques. Alors, évidemment, on ne peut pas tester toute la population puisque ça impose, en quelque sorte, ce sont des tests prédictifs et il faut les refaire tous les X jours. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est regarder quelle est la population qui a de fortes interactions sociales. C'est-à-dire, quelles sont les populations qui croisent le plus de monde dans la journée. Et cela, il faut les tester. Cela, il faut les surveiller. C'est ce qu'ont fait les pays asiatiques. Ils ont testé, écarté. Ils ont testé et puis mis dans des zones de confinement spécifiques les gens qui étaient porteurs. Ils ont mis les sujets contacts dans d'autres zones spécifiques et ils ont laissé vaquer ensuite le reste de la population. C'est comme ça que l'on s'en sort. C'est pas en faisant une espèce de confinement qui est le confinement du et en même temps qui ne porte pas ses fruits. Je vous rappelle qu'à Wuhan, au début, on a fait un confinement un peu comme le confinement français et très rapidement, on l'a reloqué de façon beaucoup plus dure parce qu'on voyait bien que l'épidémie échappait.